En tant que république, reconnaît qu'elle a participé en tant qu'État, en tant que monarchie, elle a participé à ce commerce odieux et elle lui donne le nom qu'il faut, le statut qu'il faut, un crime contre l'humanité. C'est aussi un moyen de se souvenir de notre passé pour peut-être éviter de maltraiter notre futur. On passe notamment à la situation des réfugiés. Sans aucun doute, c'est notre histoire. Et tout peuple, toute société se grandit en assumant cette histoire, en interrogeant cette histoire, en explorant cette histoire. Cela nous invite à l'altérité, c'est-à-dire à prendre conscience que nous avons une seule espèce humaine, mais que cette espèce humaine est très composite, qu'elle est constituée de personnes extrêmement différentes, qui ont des appartenances multiples et qui surtout ont des identités collectives qui sont différentes. Et que tout cela fait la richesse de l'espèce humaine. Mais que parce que nous sommes une seule espèce humaine, nous avons un devoir, une obligation morale de solidarité.